J'arrive. Allez. Allez, chou. Voilà. Ok. Hop. Je comprends pas pourquoi ça veut pas que je sois connecté sur deux PC à la fois, ce truc-là, à chaque fois. Je veux bien croire que c'est une sécurité, mais quand même. Bonsoir, Céréales. Je vais tester pour être sûr que ça marche. Enculé de Tarès vient de SSLUF Croisillon 039, abonné. What? Ça fait... What the fuck? Ça fait planter Google Chrome le truc. Faut jamais dire enculé de Tara, ça, alors là, non. Non, mais sérieusement, what the fuck? Ce qui est marrant, c'est que ça ne l'a fait planter que sur un des deux PC. Ouais, bah, bonsoir, toujours bonsoir. Qu'il pleut, qu'il neige ou qu'il vente, c'est bonsoir. Normalement, c'est en plein milieu de la nuit pour moi, à 11 h du matin. Du coup, je vais retester avec un truc plus gentil. Un truc plus gentil vient de SSperluette Croisillon 039, abonné. Non, il y a vraiment un problème en fait. LOL vient de SSperluette Croisillon 039, abonné. En fait, c'est l'apostrophe. Ça doit être le code de l'apostrophe qui bug. Je suis un convien de SSperluette Croisillon 039, abonné. Ouais. Bon, bah c'est génial. Bah pour le moment, en tout cas, c'est buggé. LOL, 10,5$, test comment? Ouais, je vais regarder, je vais regarder. Ça, c'est un chien. Alors, abonnement de... Je suis désolé hein, de faire ça en début de live, mais voilà. Je sais que aussi le truc de donation est buggé, mais du coup, je peux pas trop faire de test. Enfin, en tout cas, ça a buggé quand Spy2 a fait un troll, mais...
Ça, c'est un téléphone, décidément. C'est pour ça que je fais jamais des lives la journée, en fait. Il y a des bruits partout. Non, là, ça va, c'est pas méchant. Du coup, si je fais ça... Oh, ouais. Parce que le widget, je l'ai complètement changé, là. Il fait tellement froid dans l'appart que je suis en blouson là. C'est un truc de porc. J'ai mis le radiateur donc d'ici quelques temps ça va être chaud mais. Faut attendre quoi. LOL. Abonnement de LOL. Ah non, pas abonnement de League of Legends. Abonnement de complètement con. Complètement con, bien sûr. Abonnement de Desperluette Croisillon 039, enculé. Voilà, c'est ça, c'est vraiment l'apostrophe. C'est Croisillon 9, je sais pas quoi là. Abonnement de Desperluette Croisillon 039. Voilà, j'étais obligé de changer la phrase avec ces conneries quoi. What? Donc du coup, je dois me reloguer sur l'autre. On va y arriver, hein. On va démarrer maintenant. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup de monde en même temps, ça fait chier. Enfin, fallait s'y attendre à 11h du mat, mais... On est en vacances, merde! Bref. Let's go. Non, le plus de son, c'est normal, c'est un truc qui est arrivé en décalage, je sais pas trop pourquoi. Du coup, j'ai pas fait gaffe si le débit était bon, parce que c'est vrai que tout à l'heure, j'ai coupé parce qu'il y avait débit qui faisait le yo-yo. Non, c'est bon, il est stable, mon débit, maintenant. Tant mieux. Comment ça, je suis berger, quoi. Bergère. Bon, alors. Ouais, j'étais supposé aller au tunnel ferroviaire, mais du coup, c'est vrai que ça me fait un peu chier d'y aller. Tant qu'il n'y a pas de viewer. Le truc, c'est que j'ai rien d'autre à faire, en fait, à part la quête principale. J'ai tellement avancé dans le jeu que là, on arrive sur la fin des aventures de Misaki. Enfin, sur la fin... je dis sur la fin, mais la fin, là, tout ce qui va me rester à faire en dernier, ça va me prendre facile une vingtaine d'heures, voire plus. Alors... Je vous avoue que je suis un peu emmerdé, là. J'ai pas... Ça me fait chier de commencer The Pit alors qu'il y a 3 viewers. Ça je vous le dis. Il leur faudrait au moins une dizaine, ce serait bien. Donc je pense que dans ce cas, peut-être on va faire un truc plus approprié. Et on commencera quand il y aura du monde. Alors un truc plus approprié, ce serait un mode. Je vais vous en trouver un.
Il y en a de toute façon. Hein. Il y en a. Donc j'avais fait faction. Ouais, ça on verra quand on aura fini le jeu. Ça. Il fait pas un trop gros. Ouais, celui-là il fait 397 MO, il est vachement gros. Alors ça, je l'ai fait à l'époque des aventures de Tenko dans Fallout 3, l'Amazonian Hospital, pour ceux qui se souviennent. C'est les vieux de la vieille qui se souviennent. Bonsoir Banana. Il y a cette quête qui peut être marrante. Alors je me demandais juste c'est quoi la différence entre cette quête et ça? Ah ouais. Ah c'est de la merde ça. Par contre ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Allez, c'est... Je pense qu'il y a moyen de se marier avec ça. De toute façon dans tous les cas faut que je quitte le jeu. Toc. Donc en plus c'est un fichier de 36 KO, donc ça va, il n'y a pas de soucis. C'est un petit USB de Q Program Files. Steam Apps Common. Fallout 3, GOTY, oui, GOTY si tu veux, Game of the Year. Tac. Allez, là ça va être intéressant. Ça va être drôle, du moins. Enfin, j'espère. Je sais pas du tout, hein. Il n'y a pas énormément de choses expliquées dans le descriptif du mode que je vais mettre. Mais rien que le principe en lui-même a l'air drôle, quoi. Bah là, en fait, je voulais pas commencer The Pit, parce qu'en fait, on était sur le point de commencer cette DLC. Je voulais pas la commencer avant d'avoir... comment dire ? Avant d'avoir suffisamment de viewers. Là, il n'y a que 5 viewers à l'heure actuelle. Et je trouve ça dommage de commencer une DLC avec si peu de monde, quoi. Ouais. En plus, je suis plein. Il faudrait que j'aille à Megaton. Hein. Ça va pas du tout, ça. Donc, on va aller à Megaton. Je sais pas du tout comment commence le truc que je viens d'installer, par contre. Ils sont marrants, eux, mais... Il y avait peut-être une explication dans le lisez-moi, j'ai pas regardé. Ah, ok. Faut que j'aille au sud du Super Dupper Mart, apparemment. Je sais plus, je crois que c'est dans cette zone. Putain, je sais plus.
Enfin, de toute façon, c'est dans cette zone, quelque part par là, mais... Où précisément? Peut-être plus par là. Paradise Rose. Académie Roosevelt. Casse de machin. Bizarre. Ah, le Super Duper Marty est là. Super Duper Marty. Oui. Mais ne spoil pas. Enfin, c'est pas un spoil ce que t'as dit, hein, t'inquiète pas, mais... Juste au cas où. Mais je sais que les followers ne nous suivent pas, c'est, tenez, c'est évident. Vous avez tellement fait pour nous. Je tiens à vous donner ceci. C'est tout ce que j'ai à vous offrir. Merci. Au revoir. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? On a des nouilles et le steak de Brahmin n'est pas mal. C'est toi la nouille. Grosse nouille. Alors, argent d'avant-guerre. Buff out. Cartouche de cigarette. On a qu'à vendre ces merdes là. Clou de rail. Clé anglaise, je sais pas pourquoi j'ai ça. Oh, je vais m'en débarrasser de ces merdes. Le crayon aussi. J'ai le gardé en souvenir, le collier d'esclave de Clover. Ah, j'ai 12 doigts. Mais ça prend pas de place, donc je peux... C'est pas important. Au sale. Ferraille, fusigos, glande de venin de rat scorpion. Ah merde. Donne-moi des steam packs. Merci. Grande bouteille de whisky, mais vide. Super. J'en ai plein, des grandes bouteilles de whisky vides chez mes parents. Ah oui, j'ai un masque de ghoul, mais je m'en servirai jamais de ça. Donc je vais le garder en souvenir, quand même. Mantats. Nuka Cola. Paquet de cigarettes. C'est normal que je live pas souvent le matin. Le matin, je dors en général. Là, c'est vraiment... Ça garde la monnaie, Jenny Stahl. Habituellement, je me couche plus aux alentours de 6h du matin, donc forcément, d'habitude, à 10h du matin, je suis pas levé. Hein. Mais sauf que là, cette nuit, ben, j'ai eu un gros coup de barre à minuit. Je me suis couché à minuit, et voilà. Du coup, je vais décaler en horaires normaux et ça va vite m'énerver et du coup, je vais vite me redécaler. À savoir peut-être cette nuit, parce que généralement, c'est le mardi soir que Crony est libre et Crony, il est nocturne aussi, très nocturne, plus que moi. Oui, je voulais aller chez moi, c'était ça que je voulais... Non, je voulais aller à la clinique d'abord. Suis-je bête? Ah, Clover, pousse-toi. Vous avez intérêt à avoir un cancer, parce qu'à vous voir, vous violez la règle numéro 1, là. Hein. Matériel médical. Je sais même pas si j'ai d'autres trucs à vendre, en fait. Poche de sang, ouais, je peux vendre ça éventuellement. Ticket de métro, je sais pas ce que je fais avec ça. De la viande de Yaoguai, de chien, de fourmis, du vin, de la vodka, les vêtements de cadre, je vais même pas les garder. Et voilà. Il me fera des épingles à cheveux là, je commence à plus en avoir beaucoup. Ouais, salut. Libérez-vous grâce à son pouvoir. Ressentez sa lueur et soyez divisés. De toute façon, les seules fois où j'ai fait des lives le matin, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de viewers au début. C'était plus vers midi, une heure, que ça commençait à être heure de pointe. Euh...
J'ai ramassé des poupées entre temps, je crois. Au moins une, en tout cas. Tu sais que t'es juste devant le placard où je range mes affaires, Wadsworth. Tu peux te bouger. On va te faire enculer. Hop. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais déposer. Alors, nous avons donc un mode qui se passe au sud du Super Duppermart. Et bah, ça va être assez drôle, mais dommage quand même qu'il n'y ait pas plus de viewers que ça. C'est vrai que ça aurait été encore plus drôle s'il y avait eu du monde. Les gens vont louper des choses, quoi. Peut-être. Ça se trouve, ça va être de la grosse merde. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de regret. Donc normalement, je suis supposé me diriger vers le sud. Et il doit y avoir un bâtiment dans cette direction, donc. Peut-être le grand qui est juste devant. Où il va se passer des choses. T'es qui, toi, là-bas? Ça fait plaisir de vous voir. Je n'ai rien à vous dire. Okay. Passez votre chemin. Ouais, ok. Ces monstres, ils vont m'avoir. Ah putain. C'est vrai que je l'avais pas fait, cette quête. Je l'avais pas fait, bah ce sera peut-être... Si jamais, en fait, il n'y a pas assez de monde une fois que j'ai terminé ça, bah au moins on pourra faire cette quête à la con avec ce gamin de merde là. Salut Roro. C'est quoi ton problème? Ces choses, elles vont m'avoir aussi. Il faut que je parte. Hé, du calme, ça va aller, promis. Vous n'allez pas me laisser tomber comme les autres adultes? Vous pouvez m'aider? J'aimerais bien t'aider, mais il faut d'abord que j'en sache plus. Ces choses énormes, il y en a partout dans Greyditch, et elles ont tué tout le monde. S'il vous plaît, monsieur, retrouvez mon papa. Tu peux m'en dire plus sur les choses qui attaquent Greyditch? Eh bien, ce sont de grosses choses affreuses sur six pattes. Elles ont de grandes dents et attrapent tout ce qu'elles trouvent sur leur chemin. Mon papa disait que c'était des putains de fourmis. C'est comme ça qu'il les appelait. Moi, je les appelle les fourmis de feu. Tu as entendu parler? Tu as entendu quelqu'un parler d'une reine des fourmis? Eh bien, oui. Je crois que j'ai entendu Doc Lescaut parler d'une reine. Et de... pondre des œufs, mais il n'a jamais parlé de coq. Il disait que la reine ne viendrait jamais à la surface, qu'il allait devoir la chercher. C'est bizarre, hein? Non, c'est comme ça que ça marche, chez McDonald's. Il y a une manière particulière de leur faire mal? Mon papa avait un flingue et il disait que ça leur faisait mal, mais que c'était les putains de fourmis les plus bêtes qu'il avait jamais vues. Il disait à tout le monde de tirer sur les lanternes, mais je n'ai jamais compris. Elles ont toujours vécu dans le coin? Non, on ne les voit que depuis quelques mois. Au début, elles restaient en dehors de la ville. Ensuite, elles ont commencé à entrer... Bon, vous savez le reste. J'aimerais savoir autre chose. D'accord. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? La vie était agréable ici. Personne ne nous embêtait. Probablement parce qu'on était tout près de d'ici. Sept personnes vivaient ici dans des grandes maisons en briques. Je crois qu'il n'y a plus que moi. Ces choses ont pris tous les autres. Qui d'autre vivait à Greyditch? En plus de papa et moi, il y avait le docteur Lescaut et Will Brandis, avec sa maman et son papa. Je pense qu'ils sont tous morts. Tu connaissais bien les autres gens de la ville? Non, les gens ne restent pas longtemps à Greyditch. Les ruines de DC ne sont pas un endroit génial pour s'installer, vous savez. En fait, papa parlait de déménager bientôt. Ça devait faire un an qu'on était là. J'aimerais savoir autre chose. D'accord. Quoi? Je peux te poser des questions sur les gens qui vivaient ici? Ouais, allez-y. J'aime bien parler de trucs avec vous. Parle-moi de ce Doc Lescaut. C'était un monsieur étrange. Il a donné des capsules à papa pour qu'il l'aide à construire une cabane et à y transporter plein de choses.
Papa le traitait de crâne d'œuf, mais je comprenais pas pourquoi. Sa tête avait une forme normale. T'es un peu con comme gosse, hein. Où habitait le docteur Lescaut ? Il passait tout son temps dans cette cabane à côté de ma maison. Chaque fois que j'y allais, il était assis devant cette drôle de télé avec des mots verts et appuyé sur des boutons. Ça s'appelle un ordinateur. Il est vraiment con, hein. Tu as une idée de ce que faisait le docteur Lescaut à Greditch ? Non, il était gentil. Mais il n'a jamais voulu jouer avec moi, et on n'a pas beaucoup parlé ensemble. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'était plus là quand les fourmis ont commencé à se montrer. Je crois qu'elles l'ont eu aussi. Le docteur Lescaut avait de drôles de trucs chez lui ? Je sais pas, toutes sortes de machins. Des boîtes avec des tas de lumières, de drôles de bouteilles en verre. Oh, attendez, il y avait aussi un bonhomme maladroit et brillant. Ça, c'était cool. Un bonhomme maladroit et brillant ? Un robot, sûrement. À propos des autres gens de Greditch. Ouais ? Parle-moi de la famille Brandis. Eh bien, il y avait Will, c'est mon copain. Et Gay. Puis, il y avait son papa et sa maman. Où habitaient les Brandis ? De l'autre côté de la rue. C'était cool d'avoir quelqu'un avec qui jouer tout près. Ouais, avec qui jouer, ouais. Alors, tu étais copain avec Will ? Ouais, il était super gentil avec moi. Il avait un an de plus que moi, je crois. Il me prêtait même ses BD. On a exploré tous les coins de Greditch où on a pu aller. C'est pour ça que les fourmis ne m'embêtent pas. Je connais de bonnes cachettes. Et les parents de Will ? Eh bien, sa maman était gentille. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle s'occupait toujours de mon papa et de moi quand on venait la voir. Je crois qu'elle était triste que je n'ai plus ma maman. Le père de Will ? Eh bien, je ne veux pas être méchant, mais il faisait peur. Mmh. Le père de Will faisait peur, comment ça ? Il nous surveillait toujours, mon papa et moi. Comme s'il n'avait pas confiance. Il nous regardait depuis les fenêtres de sa maison et tapait des choses sur sa télé. Will disait que son papa avait été soldat ou quelque chose comme ça, mais qu'il était parti parce qu'il n'aimait plus ça. Mmh. Ouais ? Je crois qu'on a fait le tour. J'aimerais savoir autre chose. D'accord. Quoi ? Où est ta maison ? Cherchez la maison à côté du panneau qui sort du sol. Elle est tout près du restaurant. Vous ne pouvez pas la rater. Ok, je vais tâcher de trouver ton père. Oui ? Vraiment ? Merci beaucoup. Ma maison est juste à côté du grand panneau et du vieux restaurant. S'il vous plaît, trouvez mon papa et ramenez-le. Écoute, tout ce que tu peux faire pour aider peut sauver des vies. Vous savez, je sais pas si ça pourra vous servir, mais papa a caché des choses dans une benne derrière le vieux restaurant. Il m'a laissé la clé en me disant qu'elle était réservée aux urgences, mais j'imagine qu'il accepterait que je vous la donne. Il avait marqué que je vous la donne. C'est vrai qu'il a une voix chiante, le gamin. Il y a un endroit où tu pourrais te cacher pendant que je cherche ? Eh bien, il y a l'abri personnel à côté du vieux restaurant. Papa disait toujours de ne pas y aller, mais je crois qu'il ne devrait pas y avoir de danger. Je vais aller là-bas et attendre à l'intérieur. Dépêchez-vous de revenir. Ouais, c'est une bonne idée. Greditch, c'est où du coup, Greditch ? Ouais, c'est juste au sud. Oh non ! Fallout 3, cessez de fonctionner, sérieusement, là. Fais chier. Fais chier, parce qu'il va falloir refaire les dialogues. Je vais les passer, mais même, c'est quand même chiant, quoi. Ah, super. Sauvegarde auto. Sauvegarde auto de cul. Ok. Salut. Donc l'autre, il va courir vers moi, normalement. Ouais, il arrive. Allez, dépêche, gamin.
Ces monstres, ils... Voilà! Putain! Bonsoir, Kunfri. Oui? Ouais? T'as des choses à vendre, toi? Si le prix est correct, faites-moi une offre. Oh yeah. C'est tout. À plus tard. Une épingle à cheveux, une capsule. Alors, ouais, peut-être c'est ce bâtiment-là. Il faut pas que j'aille à Greditch pour le moment, de toute façon, c'est pas ça qui nous intéresse. Ça se pourrait que ce soit ce bâtiment. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas sur moi qu'on tire en tout cas. Ben alors, il sert à quoi ce bâtiment si je peux pas rentrer dedans? Bon bah ça doit pas être ça alors. Ah mais j'avais pas vu, c'est qu'il y a un Yaogwai dressé, genre... Quels sont les besoins? Ah tiens d'ailleurs, j'y ai pas pensé mais ouais, j'aimerais bien que tu me répares ça. Comment il a fait pour dresser un Yaogwai, ce mec? Le super de Peur Mart est là. Et là, on se dirige droit sur Greditch, et c'est là où il y a des fourmis. C'est quand même bizarre. Attendez une minute. Je prends le risque de l'alt-tab. Wow, ça date de 2009 le bordel. Ok. Non, ben, je sais pas, c'est juste un immeuble abandonné au sud du super Dupper Mart. C'est tout ce qu'on a comme info, hein. On a rien de plus. Oh, tu es adorable. Ouais, ouais, merci. Euh...
sachant que le super de Permart est précisément ici. Genre là. Là, il y a un bâtiment. Un immeuble. Ce serait vraiment collé, alors. Oui, oui, c'est ça, Sigomar, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on a trouvé. Ah ! Ah ouais, quand même ! Ok, on va se méfier. C'est peut-être vicieux. Heureusement que je viens de dire, on va se méfier. Hein. Ok. Oui, d'accord. Comment je fais là ? Ah voilà. Désamorcer le déclencheur. Tac ! Qu'est-ce que c'est piégé ici ? Fusil calibre 12 piégé. Eh ben non. Bravo, bravo. Sauf que je les vois pas, les mines, là. Gary ! Et voilà. Donc, en gros, je vous explique un peu maintenant qu'on a vu le premier Gary. Non, je veux finir Fallout 3 et je veux ensuite enchaîner sur Fallout New Vegas. Tu le sais très bien, Sigomar. Alors, ça suffit maintenant. Hein ? Bon. Donc, le mode que j'ai téléchargé, c'est un mode, en gros, l'histoire. Il faut aller dans le bâtiment donc, dans lequel je viens d'entrer. Parce que des clones de Gary qui se sont échappés ont volé une arme et la protègent dans ce bâtiment. Voilà. Gary 3.14. Sérieusement, la blague. Ça doit être pi, ça. Je pense que c'est pi. Je veux voir la valeur exacte de pi. Ouais, c'est ça. C'est précisément ça. Où ça ? Peut-être tu devrais pas dire « Le jeu, c'est de la merde », tu devrais dire « J'aime pas, c'est mieux. » Gary ? Ils sont tellement faibles, les Gary. Je sais pas si je vais pouvoir retrouver un Gary 27, ça m'étonnerait, mais bon. Si j'en retrouve un, j'en refais un screen. Il y a trois Gary en train de discuter. Gary et Gary sont sur un bateau. Gary tombe à l'eau. Qui est-ce qui reste ? Tu es adorable. Ferme-la, toi. Je crois qu'il y a beaucoup de Gary ici, en fait. Hey,
Gary 50. Heureusement, c'est fini. 53. 50. 51. Bah bravo Clover. Il y a des morceaux de Gary qui flottent maintenant avec ces conneries. On est là. Mais laisse-moi le temps, putain. Gary. Heureusement, c'est fini. Le Gary 1.168. Ça m'étonnerait. Mais le coup du Gary 3.14, franchement, c'était assez drôle, faut le dire. Par là. Ils ont trouvé une arme, donc il faut quand même essayer de la récolter. Ce serait pas mal. Tu vas pouvoir faire une soupe de Gary. Cul-de-sac. Pas forcément, Sigomar, pas forcément. Par ici. Gary 60. Si tu fais les ferrures, tu laisses de côté Dragon Age Inquisition? Bien sûr que non, on est sous forme de live, Kunfri. Sous forme de live, c'est totalement à part, c'est... Abonnement de Darthmon TV. Merci pour ton abonnement, Darthmon TV. C'est totalement à part, donc je disais, les jeux que je fais sous forme de live, c'est vraiment... faut considérer limite ça comme une chaîne à part, quoi. C'est comme ça. Donc non, je laisse pas Inquisition de côté, faut pas s'inquiéter avec ça. Pourquoi j'arrêterai Inquisition, voyons. Eh ben casse-toi, Sigomar! Gary 70. Franchement, je pense que je vais y aller. Et toi, Clover? Je peux faire quelque chose pour toi? Silence. Saladière. Je suis toujours prête à te donner tout ce que tu veux, mon cœur. À quoi penses-tu, mon cœur? Change de style de combat. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je suis très souple, tu sais. Je parle de style de combat, je parle pas d'autre chose. On passe à une arme de corps à corps. Tant mieux. J'aime les contacts. Ok, c'est tout, en route. Oh, c'est le moment de s'amuser? Super. Ce sera mieux contre les Gary, je pense. Je gâche des munitions. Et l'état de mon arme également. Je l'abîme bêtement pour des Gary de merde. À quoi sert ce bouton ?
Oh putain, un Gary géant! Oh. Hey, toi. Je peux faire quelque chose pour toi? Ou avec toi? Salut Maxence. Bon, finalement... Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu peux utiliser des armes à distance, en fait. Ah, vraiment? Voilà, c'est tout. Oh, c'est le moment de s'amuser? Super. Wow. Ça craint ici. Ce qui craint, c'est le Gary géant. Merde. Il peut pas passer. C'est con, ça. Sérieusement ? Bon débarras. Gary 1337. Le Gary, en fait, il était géant, mais aussi faible qu'un petit. Oh ! Je crois qu'il avait pris la grosse tête. Bon. On retourne au corps à corps, du coup, Clover. Je peux faire quelque chose pour toi ? Parlons tactique. Change de style de combat, corps à corps. Tant mieux. C'est tout. Oh. Bah, un clonage qui a mal tourné. Le Gary 1337... Je me demande si... En fait, s'il n'y a pas un passage par là du tout, c'est genre vraiment vide. C'est quand même bizarre. Non, mais il devrait vraiment rien y avoir. Parce que la map suggère qu'il y aurait quelque chose, mais... En fait, non. Clover, c'est pas une escort girl, c'est une esclave que j'ai achetée et qui a la particularité de tomber amoureuse de toutes les personnes qui... Enfin, de la personne qui est son maître, en fait. Donc, à la base, elle était amoureuse de son ancien maître, et dès que je l'ai acheté, elle est instantanément tombée amoureuse de moi. Donc ça, c'est pas un mod, c'est d'origine dans le jeu. Ce qui est un mod, c'est que j'ai modifié son physique. C'est-à-dire que elle avait une coupe de cheveux de merde, genre un peu punkette, et moi, j'aime pas ça. Donc du coup, j'ai voulu lui trouver une bonne coupe de cheveux, et dans ce mod était inclus une nouvelle tenue également, et voilà. En sachant que si je la fous à poil, elle est vraiment à poil par contre, donc j'évite. Face commentary, je sais pas, les face commentary, je suis pas... Je suis rarement motivé pour ça, c'est déjà arrivé que j'en fasse... C'était pour l'Empire des Youtubers, là, la série sur Dynasty Warriors 7 Empires. Mais c'était surtout parce que Izumi m'avait un peu motivé à le faire, mais sinon je l'aurais sûrement pas fait. Mais après, je sais pas, je suis pas non plus totalement fermé à ça. Si un jour je me mets à en faire, pourquoi pas, mais... Déjà, il me faudrait une meilleure webcam que ça, j'ai une webcam de merde.
J'aime bien Clover, c'est une psychopathe un peu yandere, si on peut dire. Donc c'est bien de l'avoir un peu personnalisée. Mais bon, à la base elle est blonde, hein. Je l'aurais préféré quand même en blonde, mais bon, on s'y fait. Je sais pas pourquoi j'avais trouvé une nouvelle coupe de cheveux en blonde, mais ça lui faisait des yeux violets bizarres, donc j'ai pas insisté. Enfin, j'ai essayé 2-3 manips, mais bon. Ah bah. Fusil laser de Gary. On a trouvé. Fais voir. Arme. Fusil laser de Gary. Ça a l'air pas mal. Ça te dit un nouveau fusil laser ? Oui, mon cœur. Échangeons du matériel. Je suis toujours prête à te donner tout ce que tu veux, mon cœur. Oui, je suis con, c'est ça. Et du coup, il faudrait que tu repasses à distance. À quoi pour... Qu'est-ce... Ah, vraiment ? C'est nettement moins amusant. Comment un rage ? C'est tout, en route. Oh, c'est le moment de s'amuser ? Super. Du coup, je me remets ça, voilà. Et on peut se casser. Et du coup, il y a 8 viewers, c'est plutôt cool. Mais de toute façon, je pense, ouais, dans tous les cas, maintenant... Voilà. On va passer à cette quête-là et on commencera The Pit après. J'aimerais bien qu'il y ait au moins 10 viewers au moment de commencer The Pit, en fait. Ce serait l'idéal. Je sais pas si ça va être le cas, mais... Mais bon, ce serait vraiment l'idéal, quoi. C'est quoi ça? Ah, c'est juste un pneu. Je suis con. Si je commence à avoir peur des pneus qui flottent... Oh bah voilà. C'était drôle. Allez, direction Greditch maintenant. Pour une nouvelle aventure. Je me demande si c'est efficace contre les fourmis, ça. Je peux pas attendre la journée. On va s'éloigner un peu. Parce que ça me fait chier qu'il fasse nuit, là. Ça sera pas pratique. J'aime autant avoir une bonne visibilité sur mes ennemis. Pas commencer. Arrête de dire des phrases complètement random. Ça marche plutôt bien. Suc de fourmi de feu. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ça va rapporter ça. Greditch. Elles sont où ? Ah, en voilà une.
te plaît? Non. Je crois que je suis largement au-dessus du niveau pour faire cette quête. Il y a quelque chose de caché derrière le comptoir? Non, rien du tout. Ah, saleté de monstre! Vous ne mourrez pas ici! Ta gueule, gamin! Donc là, c'est la maison de l'hôte, là. Et ça, c'est quoi? Cabane de construction récente. Ah! Fuck. Alors, c'est quoi ici? Enregistrement mot de passe du docteur Lesko. Non, je veux le pirater manuellement, ça me fera de l'XP. Perilous. Monsters. Peaceful. Non, je suis pas en 720p, je dois être en 480, une connerie comme ça. Et non, j'ai pas la fibre, on peut pas avoir la fibre chez moi, sinon je l'aurais direct. Mais ça existe pas dans mon... pas encore dans mon quartier. Il paraît que, apparemment, le maire serait en train de prendre ses dispositions pour qu'on puisse avoir la fibre dans le quartier. Mais... entre le moment où il dit ça et le moment où ce sera fait, il va peut-être y avoir du temps. Hein. Au moins, la probabilité est beaucoup plus grande que quand j'étais à Boursefranc. Docteur Weston Lesko, privé. Accès interdit sans autorisation. Activez le robot scientifique. Saisie de commande du robot scientifique. Note. Je vais voir les notes. Ou me suis-je trompé? Le lot A27, comme par hasard. Est un échec complet. Je dois revenir aux formules initiales et reprendre l'ensemble du processus. Peut-être est-ce la faute de la pression liée aux conditions de travail hors d'un véritable laboratoire. Peut-être n'ai-je pas suivi les bonnes instructions génétiques. Peut-être suis-je tout simplement fatigué. Quel que soit le cas, l'A27 se révèle un désastre. Je dois rapidement introduire une nouvelle formule où je risque de ne pas pouvoir survivre pour voir mes travaux porter leurs fruits. Emplacement d'un prélèvement découvert. Lieu d'échantillon découvert. J'ai trouvé le spécimen idéal pour mes expériences dans la station de Marigold. Je me suis installé sous terre pour l'instant, le temps de préparer l'expérience. Il me reste un peu de programmation à faire sur le robot et il sera prêt à procéder aux délicates injections. Je pourrai bientôt prouver à tous que la formule constitue une véritable alternative à la destruction de ces créatures incomprises. Danger. Je réalise les dangers que représente le fait de jouer avec la nature. J'ai entendu tous les poncifs sur les gens qui se prennent pour Dieu. Je suis cependant décidé à rendre à ces pauvres créatures leur taille initiale, celle à laquelle elles sont inoffensives. Cela n'est possible que par l'intermédiaire d'un recodage génétique. Tout ce qu'il me faut, c'est un sujet d'expérience approprié. Mes recherches se poursuivent en même temps que l'affinement de la formule. Saisie de commande de robot scientifique. Activez le robot scientifique. Module ville. Robot hors de portée. Fuck! Va te faire enculer. Je parlais pas à toi, Clover. Parce que là, sinon, elle me dit « Avec plaisir, mon cœur ». Alors,
Ouais, un ballon de basket. Un râteau. Fourmi de feu. Beaucoup de feu. Fusil d'assaut chinois. Ça, c'est pour toi, Clover. À quoi tu penses ? Je suis toujours prête à te donner tout ce que tu veux, mon cœur. J'en ai deux sur moi en plus. Tiens. Comme tu veux, trésor. Fred Wilkes. Il est mort. Il n'y a rien de spécial ici, du coup. Je croyais que c'était un gamin, le nain de jardin. Ouais. Bon, bah on a au moins appris une chose, il est mort. Viande de fourmi. Par ici ! Contournez-les ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? J'en sais pas. Aïe ! Là, il y a un ennemi par ici aussi. Elle est où la fourmi ? Au-dessus sûrement ? Ouais. Trop loin. Fuck. C'est fini, tant mieux. Largement suffisant cette arme contre ces saloperies. Hein. N'est-ce pas ? Bon. Maintenant que ça c'est fait. Le marqueur de quête indique cette zone. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a par là ? Et. La quête, elle me dit quoi ? Fouiller la station de Marigold, annoncer la mauvaise nouvelle à Brian Wicks. Ok. Demeure abandonnée. Y'a quoi ici? Puff out! Des trucs. Là, y'a des mini-balles. Une queue de billard. Ok. Comment j'ai connu Crony ? Oula, ça c'est... une longue histoire. Pour faire simple et court, je l'ai connu sur un forum. Et ça date d'il y a... ouh. Bah c'est simple, c'était avant 2006, ouais. Et... ouais, non, c'était 2005. Coupé. Fin 2005, je crois. Une connerie comme ça. J'en ai d'autres en stock. Je croyais avoir entendu un truc. Eh bien, c'est fini pour cette fois. Heureux céréales. Bon allez, on va prévenir Brian. Il y a à manger ici ?
Hé, hey, gamin. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles pour moi. Pas vraiment. Tu devais te faire chier là-dedans, d'ailleurs. Allez, dites-moi ce qu'il y a. Je crois que j'ai de mauvaises nouvelles. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Brian, je regrette, mais ton père est mort. Il est mort? Je crois que je le savais déjà. En plus, je n'ai même plus la force de pleurer. Merci pour ton abonnement, Sculey 102, même si la synthèse vocale a bugué. Si tu oubliais tout ça et si tu repartais de zéro ailleurs. Vous savez, mon père disait toujours, on peut faire ce qu'on veut de sa vie, mais la famille doit passer en premier. Si je partais maintenant, je m'enfuirais. Je ne peux pas, je le lui dois. Je vais mettre fin à tout ça, je te le promets. Vous devez arrêter ça, pour que ça n'arrive jamais à la famille de quelqu'un d'autre. J'aurais bien aimé vous rencontrer beaucoup plus tôt. Peut-être que mon père serait encore vivant aujourd'hui. Merci de faire tout ça. Je me sens mieux depuis que vous êtes là. Bon, je serais mieux d'y aller. Si vous cherchez bien, vous trouverez peut-être quelque chose d'utile que les gens ont laissé à Graydich. J'ai trouvé déjà quelques infos. On me dit de fouiller la station de métro de Marigold. Par contre, ça fait chier qu'il n'y ait pas de marqueur. Ok, c'est par là. Oh, une fourmi. C'est 4, je crois. Ouais. 2 fourmis. 3 d'XP, quoi. Graydich, c'est vachement exposé quand même. Hein. J'en ai eu un. Où ça? Le truc, il y avait quoi? Il y avait 7-8 habitants. Et aucune défense. C'est vraiment une ville de merde. Il y aurait moyen de faire tellement mieux. Qu'est-ce qu'il y a, Clover? Il n'y a plus d'ennemis ici? Prudence. Ah, il doit y en avoir. Je couvre. Ouais. Ouais. T'en veux? Elle a des orgasmes quand elle tue des gens, elle. Hein. Salut, ouais. Tyrbel. Je crois bien que c'était même mi-2005 en fait quand j'ai connu Chrony. Parce que c'était plus. Ouais, c'était un été ou une. Je crois que c'était un été. Donc ouais, ça doit être ça. Et ouais, je devais avoir 16-17 ans dans ces eaux-là, ouais. Salut Aimer. Non, je devais pas avoir 15 ans Aimer, à moins que ce soit au début de l'année quoi. Si c'est début 2005, ouais. Sinon non. Mais je me souviens plus très bien, c'est dans l'année 2005, c'est sûr. Après je sais plus exactement quand.
Bah en même temps, je venais juste d'avoir internet. Donc ouais, période Kikou, ça c'est sûr. Mais bah avec le mod, il est possible de faire des trucs avec Clover, mais ça sert à rien. On voit rien de toute façon, donc. Ah putain. Fourmi de cul. Oh, il y a une fuite de gaz ici. Ça sent le foin, ça, par contre. Par ici. Fais gaffe, Clover. Ça va. Elle a pas tiré. Oh, tu es adorable. Merci. Eh ben, il meurt. Tu ferais bien de t'y habituer parce que celui-là. Qu'est-ce qui peut l'être? Elles sont où ces salopes? Au-dessus, probablement. Je t'avais pas dit de mettre. Je t'avais pas dit de prendre des armes de corps à corps, Clover, tu fais chier. Je suis peut-être un peu sur le nerf. Ouais, peut-être un peu, ouais. Non, non, c'était bien au-dessus, il meurt, pas derrière moi. Le live dure jusqu'à ce que j'ai envie d'arrêter. Il n'y a pas de durée prédéfinie. Dernier enregistrement de Grady. Vous écoutez ceci? C'est que ma cervelle est éparpillée sur un mur et que vous avez un travail à faire. Il faut récupérer le paquet et l'apporter à Ronald Larenne, à Gardershade. Dites-lui que c'est Grady qui vous envoie. Pour récupérer le colis, il faut la clé. Je l'ai planqué dans une vieille caisse de l'ancien incendie dans la station de métro de Marigold. La clé ouvre le coffre contenant le paquet. Cherchez la salle marquée à l'aide d'une lumière qui tourne. On peut pas la rater. Bonne chance. Et j'espère qu'ils vous trouveront pas. We are French. L'armure... C'est... Attends, je sais plus le nom. Ouais, T51B Arctique. Une armure assistée qui ressemble à celle de la confrérie de l'acier, mais en améliorée en fait. Que j'ai eu à l'opération Anchorage. Alors bon, c'est vrai qu'on voit pas que Misaki est une fille, hein, du coup. C'est. Il y a même pas de. Je m'ennuie. Ta gueule. Il y a même pas de truc exprès pour les boobs, quoi. C'est. On peut pas deviner que c'est une fille. Sauf avec l'écrit, éventuellement.
Quand ils se confondent pas avec ceux de Clover. On part ici. Ouais, ça fait un peu Samus, c'est vrai. Par là, peut-être? Non, en dessous. Ouah! Oui, et en même temps, Maxence, Clover, elle arrête pas de me faire chier en me disant qu'elle s'ennuie tout le temps. Comment elle peut s'ennuyer alors qu'on est dans des tunnels de métro avec des fourmis qui crachent du feu, quoi. Je comprends pas. Il y a un passage là. Metro access employees only. Regardez ce qu'on a là. Une fourmi. Oui, bien sûr, Maxence. J'adore le roleplay. J'essaie de jouer RP généralement quand je joue à mes jeux. De me mettre bien dans l'ambiance et d'éviter de faire des trucs incohérents. Mais bon, ça, c'est des choses, je pense, qu'on remarque quand même assez quand on me voit jouer à des jeux comme Dragon Age, Mass Effect. Les fourmis ont regardé Bob Lennon trop longtemps. Pourquoi ça? Ah, je suis plein! À force de prendre des trucs de fourmis, là. Ah, j'ai oublié de déposer le masque de ghoul, fait chier. Ouais, bon, bah, je sais pas, je vais... Pourquoi j'ai ça? Déjà. J'ai soif. Video games in French is jeu vidéo. Alors je suis beaucoup moins bon en anglais à l'oral qu'à l'écrit. Et en plus je manque de pratique. Même à l'écrit. C'est ignoble. Comment ça on dit mine?
Ouais, mais est-ce que ma phrase était juste aussi? Tu sais, il y a plusieurs façons de dire des choses, hein. Il n'y a pas qu'une façon cadrée de dire une chose, hein. Ma phrase était juste. Mais est-ce que j'étais obligé de le préciser que c'était en français, Aimer? Est-ce que j'étais obligé de dire que ça se disait en français? Eh bien, c'est fini pour cette fois. Alors qu'il le savait. Je pense pas que ma phrase était incorrecte. Elle était juste... exprimer une façon différente de le dire là dans ton commentaire, mais aussi bien ta manière de le dire que la mienne était juste, quoi. Ça a du sens dans le contexte, Aimer. C'est pas comme si c'était une phrase sortie de nulle part. Le mec, il m'a demandé comment on le... Enfin, il nous a demandé comment on disait ça en français. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je dise, que je répète en français, on dit ça comme ça? Je pense pas. C'est comme si en français, tu me posais la question, comment on dit bonjour en anglais? Et que moi, je te disais, en anglais, on dit... Tu vois ce que je veux dire? C'est même limite lourd, quoi. Hey! Bah, goodbye in French. Au revoir. Mais si, ça marche. Bien sûr que si, que ça marche en anglais. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas en anglais, Aimer. C'est tout aussi lourd de sens, quoi. Pourquoi faire des répétitions en anglais plus qu'en français? Bah, débat de cul, c'est toi qui dis des conneries aussi. Allez, à plus. Oh, il y a un autre éventreur, dis donc. Clover! Oui, mon cœur. Je suis toujours prête à te donner tout ce que tu veux, mon cœur. Hop. Allons-y. Ah oui. Bon, ça va. Je peux faire quelque chose pour toi?
Je suis toujours prête à te donner tout ce que tu veux, mon cœur. Comme tu veux, trésor. Bye, BF4 fan. Salut, Resus Plus. Ouais. J'ai commencé vers 10h30, 11h, un truc comme ça. Et... ouais, c'est assez exceptionnel. C'est que je me suis endormi tôt hier et voilà, bon bah du coup, en me levant, je me suis dit, bon bah je vais faire un live. Et voilà. Enfin, pas en me levant tout de suite, tu me diras. Mais genre une heure après m'être levé, quoi. Environ. D'ailleurs là... tiens, j'ai trouvé un... je t'ai trouvé un animal de compagnie. Ah ah. Tu veux voir? Je vais regarder. Clow. C'est quoi ce truc? C'est un éventreur en fait. C'est un peu trop gros, Bill. Tu m'as entendu dire que j'allais bosser Maxence, ah ça devait être quand je faisais ma saison peut-être. Sûrement, c'est sûrement de ça que tu parles. Parce que là, là ça fait un petit moment que j'ai rien. Là. Je vais pouvoir enlever mon blouson, ça, il commence à faire un peu plus chaud. Mais ouais, aujourd'hui il fait carrément froid et dans l'appart, il faisait presque aussi froid que dehors quand je suis sorti de la couette, quoi. C'était vraiment horrible. L'appart est bien, mais le défaut c'est quand même qu'il fait vachement froid. Vous m'avez fait sursauter. Vous ne devriez pas surprendre les gens comme ça. Vous surprendre? J'ai failli me pisser dessus, bordel. Ce n'est pas une manière de parler à un homme de science. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces camineries. J'ai des expériences très délicates à mener. Vous appelez ça un laboratoire? J'ai choisi cette salle en tant que retraite temporaire où je pourrais examiner les erreurs de mes expériences. C'est un peu sombre et humide, certes, mais ces trivialités ne sauraient barrer le chemin à la science. Oh, j'ai plus besoin maintenant, j'ai mis le chauffage, mais... mais là, en fait, ça faisait depuis... genre 10h30 que j'avais un blouson, en fait. Tellement il fait froid. J'avais pas le choix, quoi. Maintenant, ça va, le chauffage a commencé à bien chauffer la pièce, ça va mieux. J'ai peur de la note d'électricité, par contre. C'est ça qui me fait chier. Ça va, Pogs, et toi? Pendant la saison... comment expliquer ça? En gros, je... ouais, je vais t'expliquer un peu comment c'était, mais ça, c'est un peu spécial. Je sais pas si tu sais comment fonctionne une criée, mais en gros c'était là que je travaillais. Mon but, enfin mon boulot, moi, c'était de ramasser les bacs quand ils étaient achetés et de les charger dans un camion. Donc c'est un boulot principalement physique, ce qui correspond pas forcément à ce que je suis, mais bon, fallait un peu de sous.
La principale difficulté de ce boulot, finalement, c'est les horaires. Surtout l'été. En fait, j'embauchais souvent à 3h30, 4h du matin. Du matin, pas de l'après-midi. Et par contre, je terminais pas trop tard, hein, genre à 10h du matin max, j'étais de retour à la maison, mais bon, ça, quand tu fais ça, en fait, tu peux rien faire d'autre. Parce que le fait d'aller bosser à 16h-là, bah, ça fait que du coup, en rentrant, j'allais me coucher à 10h du matin. Et j'étais pas levé avant 18h après. Et du coup, bah, la journée, elle est finie, quoi. Si on commençait l'expérience en faisant la peinture, non. Des expériences, qu'est-ce que vous faisiez comme expérience ? Mes expériences sont très complexes et seul un scientifique pourrait les expliquer. Oh, attendez, je suis un scientifique, magnifique ! Mes tentatives visant à réduire la taille de ces créatures insectoïdes sont de la plus haute importance. J'essaye de réduire leur taille à chaque génération en les soumettant à un mutagène avant leur naissance. Intelligent, non ? Oh, je vois. Vous essayez de les rapetisser par des injections sur les œufs. Ma parole. Vous comprenez tout. Oh, magnifique. J'ai des nouvelles pour vous, le génie. Ça ne marche pas. Cela m'étonnerait qu'un habitant des terres désolées puisse comprendre les subtilités d'une expérimentation aussi délicate. En raison d'une erreur de calcul, le mutagène a permis aux fourmis de développer un nouveau biomécanisme. J'appelle pyrose leur aberration génétique, la capacité à émettre des flammes à partir de leur corps. Je pourrais peut-être corriger cette erreur, mais je ne peux pas accéder à mon matériel. Cela me choque que vous n'ayez pas d'abord essayé en environnement confiné. Votre connaissance des processus expérimentaux me laisse sans voix. En effet, j'ai sauté une étape et modifié directement une population. Je suis peut-être allé trop vite. J'étais tellement sûr que ça marcherait. Pour corriger cette erreur, il faut que j'accède à mon terminal afin de modifier le mutagène. Et alors ? C'est votre erreur, Doc. À vous de la corriger. Je vous en prie, ne faites pas insulte à mon intelligence. S'il avait été facile de corriger cette erreur, je l'aurais fait bien avant votre arrivée. Mon terminal portable est dans la nurserie, près de la reine des fourmis. Si je peux l'atteindre, je pourrai continuer à améliorer le mutagène. Pourquoi ne pas régler le problème en tuant la reine ? Si je le faisais, je perdrais des mois de travail. Non, non ! Il ne faut faire aucun mal à la reine. Votre objectif serait d'éliminer ce que j'appelle son quintet de gardiens du nid. De vraies abominations. Comment est-ce que ça va réparer toutes vos conneries ? J'ai fixé le matériel sur mon terminal portable afin qu'il émette ce que j'appelle une impulsion d'inhibition. Si j'envoie cette impulsion, toutes les fourmis restantes vont perdre leur liaison avec la reine et s'entretuer. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voulez de l'aide ? Envoyez les capsules, Einstein. Pourquoi l'homme ne peut-il prendre exemple sur la fourmi ? Elle travaille en équipe. Chaque instant d'éveil est voué à la colonie. Il ne leur faut ni richesse ni bien matériel. Tout ce dont elles ont besoin leur est fourni par les autres insectes. Je m'égare. Si vous voulez une récompense, je n'ai à offrir qu'un bio-accroissement mutagène. Bio-quoi, mutagène ? J'ai réussi à isoler certains gènes des fourmis de feu et à les distiller pour former des améliorations génétiques sans danger pour les humains.
Je peux vous injecter une de ces formules. Cela améliorera votre force ou votre perception. Mieux encore, vous résisterez davantage au feu. C'est magnifique! Ça doit empêcher les fourmis de brûler tout Greditch, je marche. C'est vrai? C'est magnifique! Faites attention! Les gardiens du nid peuvent être coriaces! Et il me semble que j'ai la récompense quoi qu'il arrive, petit rebelle, même si je tue la reine. Mais je vais essayer de... effectivement ne pas toucher à la reine pour cette quête. Parce que Misaki est assez scientifique. Et même si, bon, le docteur Lescaut, il a fait un peu de la merde, au final, l'objectif est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur ces fourmis de feu ? Eh bien, le mutagène a accru leur résistance et a développé ce que j'appelle la pyrose, la capacité biologique à émettre des flammes. Mais elles ne sont pas radioactives. Enfin, pas plus que toute autre créature mutante des terres désolées. Les fourmis ayant un système de caste, je vais tenter de tuer vite la reine. Non. Comment êtes-vous passé du changement de taille au lance-flamme ? Manipuler les codes génétiques n'est pas simple. Une minuscule modification au cours du dernier million d'années nous aurait changé du tout au tout. Qu'une tentative de réduction de taille ait abouti à l'apparition de la pyrose n'a rien de surprenant. Est-ce que les fourmis sont vulnérables à quelque chose de spécial ? Je crains qu'elles ne soient résistantes à tout ce qui peut tuer les fourmis de jardin. Si vous y arrivez, visez leurs antennes. Ça les perturbera pas mal. Comment une fourmi peut-elle cracher du feu ? La stimulation du déclencheur évolutionniste par le mutagène a entraîné une réaction biodéfensive qui a modifié les glandes à venin de la fourmi. Ce processus a généré des oscillations imprévues des molécules de venin telles que cela cause une réaction biochimique thermodynamique. Lorsque le sujet expulse cette solution, elle devient explosive en raison des nouvelles structures de la gueule que j'appelle réseau calofacteur. Incroyable, non ? Ouais, incroyablement chiant. Je pense que... ouais, d'ailleurs je vais laisser Clover derrière moi, genre avec le docteur, parce que à mon avis elle va faire des conneries si je l'emmène avec moi. Je vais quand même dire cette phrase. Les fourmis ayant un système de caste, je vais tenter de tuer vite la reine, même si je vais pas le faire. C'est juste pour voir ce qu'il dit, en fait. Dois-je vous rappeler qu'il ne faut faire aucun mal à la reine ? Si elle est blessée ou si elle meurt, j'ignore combien de temps il me faudra pour trouver un autre sujet. Laissez-moi activer l'impulsion d'inhibition. L'effet sera le même. J'aimerais savoir autre chose. Oui ? Qu'est-ce que vous savez de Brian Wilkes ? Il est trop curieux. C'est toujours quand je suis absorbé par mes calculs qu'il se lance dans ces interminables séries de questions. Il n'a aucune idée de l'importance de mes travaux. Vous ne voulez pas assumer la responsabilité de la mort de son père ? Tous les scientifiques assument leurs échecs. Cela fait partie de leur tâche. Je mènerai cette expérience à son terme sans m'occuper de morale. Si je me laisse influencer par les émotions, tout ce temps et cette énergie auront été dépensés pour rien. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez brisé sa vie ? Vous avez vos idéaux et j'ai les miens. Si je suis ici, c'est pour mener à bien coûte que coûte mes expériences. Si cela doit entraîner la mort de quelques-uns pour sauver des générations entières, le prix est bien faible. Vous auriez pu au moins lui dire que vous étiez en vie, il se croyait tout seul. Je ne peux pas quitter cet endroit. Je dois continuer à surveiller la nurserie afin d'évaluer les mutations de la génération suivante. Je n'ai pas de temps à consacrer à des enfants et à leurs jeux stupides. Ils ne savent rien de l'importance de mes travaux. J'aimerais savoir autre chose. Oui. À propos de vos expériences. Oh oui, elles sont vraiment magnifiques.
Beaucoup de gens disent que c'est infaisable, mais je leur prouverai le contraire. Ça ne colle pas, vous n'auriez pas dû obtenir de tels résultats aussi vite. Eh bien, j'ai peut-être emprunté quelques... raccourcis, oui. On m'a dit que le VEC faisait des merveilles dans le cadre d'une utilisation contrôlée. Apparemment, je me suis trompé, mais j'ai identifié l'erreur. Je suis certain que ça peut marcher. Bon, quel est le but de ces expériences? En introduisant le mutagène directement dans un œuf de fourmi, ça, on l'avait compris. J'espère réduire la taille des adultes. C'est un système générationnel, ce qui signifie qu'il faudra quelques couvées avant qu'elles atteignent la taille souhaitée. À la fin, j'espère leur rendre la taille qu'elles avaient il y a 200 ans. Voilà, c'est un but tout à fait honorable. Comment faire pour détruire le mutagène exactement? Le détruire? Oh non, non, non! Vous ne devez pas! C'est l'œuvre de toute ma vie! Dégagez-moi le chemin jusqu'à mon matériel et je continuerai quand tout danger sera écarté. Oui, d'accord, d'accord. C'était juste comme ça, hein, je vais pas le faire. J'aimerais savoir autre chose. Oui? Je ferais mieux d'y aller. Enfin, l'occasion de rattraper mon erreur! Magnifique! Yik! Clover? Oui, mon cœur. Oula, t'as les cheveux bizarres. C'est le reflet qui fait ça. On attend ici. Mais je vais m'ennuyer toute seule. Allez, je reviens vite. Ok, let's go. Let's go. Doucement. Faut tuer toutes ces salopes. Oh, je vais repasser à ça du coup. Elles sont un petit peu plus fortes, mais ça va, c'est quand même correct. Ah merde. Ah, ça brûle. Elle était mieux l'autre arme en fait. Ça marche mieux sur les fourmis. Du coup ça peut être pas mal je pense. Ce fusil il est cool. On va essayer. Et toi, gros cul. One shot. Effectivement, ça marche bien. Ah, tu m'as fait peur. Comment ça, player pour un SRM, petit rebelle? Retourner auprès du docteur Lesko. Ok, c'est parti.
Allez, on court. C'était pas bien dur, ça va. Ah, mais je veux pas tricher. Réparer ton équipement. Non, je veux pas tricher. La triche, c'est mal. Les instruments indiquent des changements dans la nurserie de la reine. Qu'est-il arrivé ? J'ai terminé mon boulot, docteur. Oh, c'est magnifique ! S'il vous plaît, dites-moi ce qui s'est passé. Allez, plus vite vous me le direz, plus vite je vous récompenserai pour vos services. J'ai tué toutes les gardiennes du nid. Dans ce cas, je vais rejoindre sur le champ mon terminal portable et apporter les changements nécessaires à la formule. Merci pour tout, vraiment. Vous avez été très utile dans votre rôle d'auxiliaire. Je suis prête pour l'injection de bio-accroissement mutagène, docteur. C'est magnifique. Quelle injection voulez-vous ? La vision formique ou la force formique ? La force. Parce que c'est... là où elle a des petits soucis de performance, c'est plus en force qu'en perception, la petite Misaki. Elle est faible quand même, je crois que j'ai que 4 en force, un truc comme ça. Ça doit être mon truc le plus faible, la force. C'est magnifique! Allons-y pour la force formique. Ne bougez pas, d'accord? Vous avez reçu la force et la résistance aux flammes des fourmis de feu de Greditch. Votre force a augmenté de 1 et vous êtes 25 milliards de millions de milliards 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 de plus résistant au feu. Attends. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je dois faire de Brian Wilkes? Vous devriez l'emmener ailleurs. Lui trouver un foyer. J'aurais des difficultés à poursuivre mes expériences s'il traîne ici en me posant sans cesse des questions. J'aimerais savoir autre chose. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, docteur ? Eh bien, je vais poursuivre mes recherches. Il doit bien exister un moyen de rendre à ces créatures leur taille initiale. D'ici là, je resterai dans ma cabane, à côté de la maison des Wilkes, si vous voulez me rendre visite. Non, c'est bon. T'es un peu chiant, en fait, donc je viendrai jamais te voir. Je serais mieux d'y aller. Toujours rester vigilant. Ne pas se tromper avec le genre Solenopsis. C'est ça. Clover ! On peut y aller ? Oui, oui. Oh oui, allons-y. Allons-y. Comme tu veux, trésor. Terminal du docteur Lesko. Oh yeah. Je suis vraiment un chat de boule, moi, avec ça. Hein. Note. Oh, j'ai déjà lu tout ça. Déverrouiller la porte d'accès à la nurserie. Non, bah non, ça sert à rien. C'est déjà déverrouillé. Alors, y a pas une sortie rapide dans ce truc de merde, là ? Je crois pas. Bon, tant pis. Allez, on sort. Re-ro-ro. Des nouvelles, les enfants. N'ayez plus peur, pauvres troupeaux. Le berger de la Brisson 1 vient vous guider vers la terre promise. Enfin,
peut-être. Écoutez ça. On dirait que j'ai un flash d'infos pour vous, les enfants. Un grand merci à l'étrange nomade de l'abri 101 pour avoir sauvé la petite ville de Canterbury Commons. De qui, demandez-vous? De super tarés au super ego appelés la fourmenteuse et le mécaniste. Eh, même moi, j'aurais pas pu inventer ça. À la prochaine fois, c'est Three Dogs. Et vous écoutez Galaxy News Radio, qui vous apporte la vérité. Même si elle est dure à entendre. Et maintenant, une annonce de service public super importante. Un petit rappel à ceux qui se... Eh bien merci, merci Three Dogs d'avoir vanté mes mérites. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! Ils sont de retour eux. Laisse Clover tranquille, espèce de fils de pute. Il est où le troisième? Ils viennent toujours par trois. Oh, d'accord, bon. Pas dans le coin, visiblement. Et bien voilà. Voilà, voilà. Je vais être à 100 partout avant la fin. Hein. Rééquilibrage karma. Votre karma devient instantanément neutre. Na ! C'est nul. Salut Métis. Oh puis les talons, en plus, le pire c'est que j'ai quand même été les niqués hein, à la base. J'étais dans leur base, j'ai tous buté quoi. Route du diable, votre karma devient instantanément mauvais. Aucun point faible porte immédiatement à 5 toutes les stats spéciales de valeur inférieure. Ah mais je crois que j'avais que la force qui était en dessous. Si j'avais su, j'aurais pris la perception. Comme ça, ça m'aurait fait quand même à 5 tout le bordel. Je crois pas qu'il y ait moyen de voir ça en plus. Sommeil profond. Si, peut-être si je mets entraînement intense. Point de fer. La précision du SVV. Boyau plombé. Taille compte. Médiation impartiale. Résistance. Ami des animaux. Ici et maintenant. Marchand de sable. La course silencieuse. La course n'influe plus sur les tentatives de discrétion. Ouais. L'effet de toute substance dure deux fois plus longtemps. Franchement, il n'y a plus grand chose d'intéressant. Genre vraiment pas. Je vais voir l'entraînement intense en fait. Et du coup, je peux faire retour ou pas? Non, je peux pas. Ah bah non, en fait, je suis toujours en dessous de 5 avec la force. Et donc, il y a moyen, en gros, de mettre intelligence à fond. Ça peut être sympa. C'est pour ça en fait que je gagne énormément de points quand je monte de niveau. Et que je vais être à fond à la fin partout.
Plus l'intelligence est élevée, plus vous répartirez de points de compétence lors d'un passage au niveau supérieur. C'est que j'apprends bien. Dans l'histoire, j'en suis à... Là, je vais passer... Je vais passer à The Pit. Sinon, dans l'histoire en elle-même, le scénario principal, j'ai arrêté le scénario principal après ma rencontre avec le président Eden, où j'ai fait péter la base. Sinon, j'augmente mes points de vie, en sachant que je suis déjà très très résistant. Probabilité de coup critique. Le nombre de points d'action disponibles pour le SVAV. Explosif crochetage. Ouais, perception, c'est de la grosse merde. J'en ai vraiment pas besoin. La force, c'est moyennement utile. Ce qu'il y a, c'est que l'intelligence, si c'est juste pour répartir plus de points, c'est pas non plus utile, quoi. Je vais augmenter ma chance, je pense. Ouais, non, Roro, comme je disais, hein, l'intelligence, plus l'intelligence est élevée, plus vous répartirez de points de compétence lors d'un passage au niveau supérieur. Mais là, je gagne déjà genre 21, 22... Quelque chose comme ça, peut-être 23, je sais plus, mais c'est dans ces eaux-là. 2 points par level up. Donc en gros, ça veut dire que d'ici le niveau 30, j'aurai largement tout à 100. Comment ça, pourcentage de fini ? Pas de pourcentage. Contrat, tuer Misaki Sesai, allez vous faire foutre. Bon, bah, je pense que je vais faire un petit passage à Megaton, juste histoire de... Ah non, faut que je voie Brian, j'ai oublié. J'ai failli oublier ce pauvre gamin. Mais après, ouais, j'irai vendre mon matos. Il n'y a pas de pourcentage sur l'histoire, hein.